Et salut à tous, c'est Tania et on se retrouve pour le 15e épisode, 15 ou 16e, je vous écrirai ici, là, ici, et de l'aspect sur Pokémémo. Donc on est rendu ici, on va continuer tout de suite. Donc on a des petits combats. Donc je vous rappelle, on a notre Noir Fang niveau 27, Furon Singe 27, Boosty Flore et Psychoquack niveau 28, Dracaufeu 30 et Kadabra 31. Donc c'est vrai, Psychoquack, faut que je le rééchange contre un autre Psychoquack avec Evakill. Parce qu'il m'a pas donné le bon. Et en ce moment, pour l'instant, on va garder lui. En attendant de... Ouh, c'est vrai. Ouais. De toute manière, faut que je change de Pokémon. Voyons voir. Ça, c'est type... poison. Je connais pas du tout ma table d'éthique par tête. Table des types par cœur, je suis en train d'essayer de retenir les trucs assez de base, oui, mais quand il commence à avoir deux types ou des trucs comme ça, non, je m'en souviens jamais. Bon, comme là, c'est pas efficace du tout. On va aller avec un Inchimawashi s'il réussit à le faire, évidemment. Ah oui, c'est sûr qu'avec brouillard en plus. Ouais, on va pas faire ça, on va faire des combos griffes alors. Voilà, c'est déjà mieux. Ah. Mais il va arrêter de faire brouillard, oui. Attaque. Oh. Tu vas être capable d'attaquer quand même. Alors, on va essayer une dernière fois. Et non, on va changer de Pokémon parce que ça peut penser à ne perdre autant de PV juste à cause d'un Pokémon. Allez, gros Dracaufeu. Arrête d'un seul. Mais il va évoluer bientôt, lui, je pense. Très bientôt. Voilà. Ça va un peu plus vite comme ça. Soporifique. Si on le tue pas, on va changer. Évidemment, on le tue pas, ben on lui a rien en lui. Hein. C'est comme PV, mais si on le tue pas. Ok. De toute manière, je voulais changer de Pokémon. On va avoir un Orphan. Pic pic, go go go. Ah! Ok, c'est pas super. Un coup critique en plus. Ok, il a manqué son attaque. Ça devrait le faire. Voilà. Bon, je vais juste aller faire soigner mes Pokémon rapidement parce que j'aimerais bien qu'ils survivent. Ouais, je vais aller les faire soigner. Allez. Sérieux. J'ai pas l'intention de me battre. Sincèrement, non. Sérieux. Je t'ai dit que je voulais partir. Ouais, bon, je vais mettre Kadabra en premier. Voilà. Parce que... je sais pas si ça change de quoi le niveau du Pokémon, mais ah, voilà, on est arrivé. On va faire sonner rapidement. Et on retourne. J'aime bien son Pokémon à lui. Oui, on va voir. Fantomius, c'est évidemment... lui, son Pokémon à lui, là. Bon, go, Kadabra. C'est derrière moi, toi. Il rend bien quand même de côté, Kadabra. Regardez ça, de devant il est laid, mais de côté il rend bien. Alors on y va, on y va. Et en fait, il reste que ce dresseur. Lui c'est qui? Ah oui, c'est le monsieur qu'on est venu sauver. Je crois. Un Nosferatu.
Ah, j'ai oublié de charger de Pokémon. Bon. On peut pas changer de Pokémon? Mais non, on changera pas de Pokémon, c'est pas correct. Dès qu'il y en a un qui est affaibli mais pas tué, on change de Pokémon, mais là, ça me tente pas. Ah voilà. Et go faire au singe. Il enlève beaucoup avec son croc de mort. Et le prochain c'est le ratata. Non, allez, point karaté. Et évidemment, il me fait un coup critique. Ah, je te jure. Bon, Norfang alors. Non, 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 je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Voilà. Et prochain, normalement. Ouais. Encore une attaque. Charge, enfin, c'est une charge rapide. Et voilà. Toi, c'est quoi que tu me dis? Hein? T'es venu pour me sauver? Merci. Mais je suis venu ici de mon propre gré. Je suis venu pour calmer l'esprit de la mère de Slay. Je crois que l'esprit nous a finalement quittés. Je devrais vous remercier. Suis-moi à ma maison, la maison Pokémon, au pied de cette tour. Tania, ton Pokédex est dans la quête du Pokédex et une quête qui demande beaucoup de dedication. Sans amour pour les Pokémon, tu n'y arriveras pas. Je suis pas sûre que ça va t'aider, mais j'aimerais que tu aides ça. On a reçu la Pokéflûte. Ils vont réveiller les Pokémon qui sont des obstacles, donc le... Ouais, bon. L'autre. Ouais, l'autre, là. Je sais pas si vous avez vu que... Le Ronflex, c'est ça. Donc, on veut juste passer rapidement... Centre Pokémon. Voilà. Et changer ça comme ça. J'ai dit changer. Voilà. Je me souviens plus. Attendez un instant. Si je pars là. Oh, je me souviens même plus que après la route là. Je sais, j'ai pas une grande mémoire. Mais c'est pas grave ça. C'est normal. Il y a ça, je m'en souviens de ça, mais après, quand on prend ça, j'imagine on peut pas. Ok. Puis ça nous amène. Je me souviens plus trop où. J'ai pas vraiment une très très bonne mémoire. On arrive ici, qui est quelque part. Puis ça. Je sais pas où on est là. Ok, on est sur la route pour aller à Céladon. Céladon. On n'avait pas fini d'explorer Céladon. Céladon. Il y a comme deux trucs à faire, explorer Céladon City ou aller réveiller le Ronflex qui dort. On va explorer un peu Céladon. Donc on était allé ici. Bon, on va explorer. Ici, qu'est-ce que ça dit, c'est le casino? Oui, d'accord, je sais. On va partir de tout ici. On va voir, est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Non. Ici, qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis en vacances avec mon... Ok, rien d'intéressant. Toi, qu'est-ce que tu me dis? Pokémon? Non, c'est un intel pour les personnes. Mais ils sont pleins.
Ok, pourquoi il a emmené son frère? J'en ai aucune idée. C'est pour moi qu'il doit te répondre. Ici, il y a une autre personne. Les gens de la Team Rocket, chef! Ok. Il a envoyé deux Pokémon aujourd'hui, c'est ça. Elle ne touche pas au pasteur. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de. Ok, il me dit qu'il n'y a pas de truc secret derrière. Les posters qu'on a touchés. Je sais pas ce qu'il me dit, mais ok. Ça n'a pas l'air très intéressant, donc on va pas se tarder. Et si c'est quoi, un resto? Eh, il y a une. Ok. C'est une base secrète en dessous du truc. On a reçu une boîte de jetons. Ok. Ok, elle me dit quoi? Elle dit rien. Elle dit rien. Ok. Oh oui, on a reçu une boîte de jetons. C'est très bien, je crois. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Ok, je sais pas trop ce qu'il m'a dit, mais ça n'avait pas l'air très intéressant. Mais... En fait, pour moi... Oh, il y a quelque chose ici. Je peux aller... Ok, en fait, pour moi, les trucs pas intéressants, c'est des personnes. Quelqu'un me dit quoi, mais me donne rien, c'est pas intelligent. Intéressant, plutôt. Lui, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, c'est... on échange tes coins pour des prix. Lui, c'est quoi? On échange tes coins pour des Pokémon. Ouh! Un Melofé, un gros doudou. Peut-être prendre un gros doudou, peut-être. Attends, il y a Goupix, non. Hippotrampe, Insecateur, Scarabrut, Mini Draco. Oh, j'ai trop ça. Evoli, j'ai trop ça aussi. Puis Porygon, je sais pas. Puis lui, qu'est-ce qu'il me dit? On échange ses coins pour des prix. Graines Miracle, Charbon, ou Mystique, Mocheur de Soie, Flûte Jaune, Boule Fumée, Tuxedo. Uniforme d'un Team Rocket et pas de mystère. Ok, c'est le fun. On va aller au casino rapidement pour voir ce que c'est, parce que je sais pas du tout comment on fait pour utiliser notre boîte de jetons. Oh. What? Puis... Yes! Je veux jouer! Comment on joue? Oups. Eh? Oui, je veux jouer. Oui, j'ai pas tout. J'ai pas tout compris. Mais ok. J'ai rien gagné comme? Ou je sais pas. Oui, je veux jouer. J'ai gagné. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ok, un instant. Sac. Objet utile. Boîte de jetons. J'ai 104 jetons. Ok. Je vais mettre ça en F4 ou F6. Ou F1. F6, voilà. On va jouer encore. Je sais pas à quoi ça sert, mais ok. Oh, j'ai rien eu. Oups. J'ai eu un prix? Ok. Oui, je veux jouer. Je sais pas du tout ce que ça me donne, mais je joue pour le fun. J'ai gagné? Ok. What? Ok, on va... Ok. J'ai pas tout compris, mais ok.
On saute ici, qu'est-ce qu'on a? Rien ici. Elle me dit de quoi d'intéressant. Ok, non, elle me dit pas de quoi d'intéressant. Comment on fait pour aller là? On peut pas? What? Ok, pas grave. Ok. Toi, c'est quoi? C'est quoi là? C'est la dance store. Ok. Hello. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais ok. Wow, il y a dans même étage. C'est quoi ça? Je sais pas. Ok. Premier étage. Qu'est-ce que ça dit ça? Premier étage, service. Ok. On va monter à pied. Là, c'est quoi? Top grade items. Trainer market. Je peux vous aider? À CT5, fais fuir l'ennemi pour mettre fin au combat. CT15, puissant mais immobilise le lanceur pour un tour. Creuse sous terre au premier tour et frappe au deuxième. Les effets de l'attaque dépendent du lieu. Le genre opposé a moins de chances d'attaquer. Je vais pas acheter de CT parce que j'oublie tout le temps les utiliser de toute manière. Ensuite ici, Pokéball. Attendez un peu. Pokéball, ouais, je vais rester comme ça, Super Ball. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pas plutôt? Potion, j'en ai 10. Grec, Super Potion, j'en ai 11. J'en ai acheté 4. Ensuite, Rappel, j'en ai 5. Antidote, j'en ai 6, c'est Grec. Antipara, j'en ai 3. Ensuite, Réveil, j'en ai 4, j'en ai acheté 1. Anti-brûle, j'en ai acheté 2. Anti-gel, j'en ai acheté 2. Corde sortie, j'en ai acheté 3. Et oui, j'achète beaucoup. Super repousse, j'en ai acheté 1. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, elle, qu'est-ce qu'elle me dit? Ok. Elle m'a dit d'acheter un revive. Chose que j'ai faite. Ici, c'est quoi? TV Game Shop. C'est quoi qu'elle veut m'apprendre? Et... je vais l'apprendre à Dracofeu. C'est quoi? Renvoie toute attaque physique deux fois plus fort. Je vais plutôt l'enseigner à... je sais pas. Écrivez-moi dans les commentaires c'est à quel Pokémon qu'il faudrait que je l'enseigne parce que je sais que je vais me tromper, je vais enseigner à un mauvais Pokémon. Donc voilà. Est-ce qu'il parle? Ok. Ils disent des choses pas intéressantes. Mais elle, elle me donne une compétence, mais je sais pas à qui l'enseigner. Ici, c'est quoi? Wise Man Gifts. Ok. Salut, je peux vous aider? Oui, oui. Poké Poupée. Permet pour s'enfuir d'un combat contre un Pokémon sauvage. Lettre rétro. Du papier avec le dessin de 3 Pokémon. Hi, ça sert à quelque chose ça? Je sais pas, on va l'acheter. Pierre Feu, Pierre Feu, Pierre Eau, Pierre Plante. Oh, je sais où en acheter au moins. Mais j'en ai pas besoin tout de suite. Ensuite, ça c'est quoi? Ah, ça c'est les cosmétiques. Bon. Ok, fait qu'il y a plein de cosmétiques ici. Bon, c'est bon à savoir, j'ai pas besoin d'aller dans la boutique forcément pour acheter des trucs. Voyons voir, j'ai acheté un truc, je sais même pas à quoi il sert, donc autant. Allez voir, c'est quoi que j'ai acheté? Ça. Ça sert à rien, ok, c'est ça. Oh, ça sert tellement à rien en plus. Ensuite, cinquième. C'est quoi ici? Médicaments. Ok, ok. Elle me dit, salut, je peux vous aider. PV+,
protéines, fer, calcium, zinc, carbone. Non. Merci, j'ai un peu besoin de suite. Puis elle attaque plus, défense plus, vitesse plus, spécial plus, précision plus, DAMS plus. Ouais, mais non, pas tout de suite. Je vais les éteindre. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il me dit? Ma soeur est... ma soeur est un autre... dresseur. Mais elle est tellement immature. Ok. Ici, c'est quoi? Bon, bref. Je vais aller au premier. Voilà. Pardon. J'ai la voix qui commence à me fatiguer. Alors. Bon, on a fait un peu le plein en même temps. Bon, il y a encore tellement de choses à voir dans ce jeu, ça peut être bon ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit lui? Ok, il s'est brûlé la langue parce qu'il y a une personne qui lui a donné du thé. Puis que lui, il a même pas soufflé dessus. Ça doit être elle qui lui a donné du thé. On a gagné du thé. À quoi ça sert? Je me demande. Une thé à une tâche. Toutes les soifs. Ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. Y a-t-il d'autres choses par là? Oui, il y a un escalier. Il y a un escalier. Est-ce quelque chose par là? Je vais aller tout droit. Y a rien. Ici, y a rien. Ok, c'est le fun ça. Ensuite ici, y a des gens. C'est déjà ça. On va leur parler. D'accord, il me dit qu'il y a des gens qui le trouvent cute. Il dit que c'est un artiste. Lui, c'est le programmeur. Puis lui, ben, il parle pas. D'accord. Ensuite, on monte en monte. Oh, on est sur le toit. On peut même pas aller là. Oh. Pas grave. On va redescendre. On va redescendre. Voilà. On est redescendu complètement. Voilà. Ensuite. On a fait le tour de la ville? Apparemment. Non. Ah oui, maintenant. Maintenant, non. Bon. Ah, ok. Ok. Et là, on arrive ici. Puis je sais pas ce qu'il y a là. Il dit quoi, lui? Il n'y a rien que je ne sais pas. Je sais que les membres des Pokémon est sorti à Game Boy Advance. Bah non, mais sur Pokémon sur mon PC. Donc il y a des trucs que tu sais pas. C'est quoi qu'il me donne, lui? Evoli. Sérieux? Il y a un Evoli sur la table, normal. Ok, c'est sur les TM, ça, les PDP. En français, je me souviens plus ce que c'est. Mais c'est génial, on a gagné Evoli. Je sais pas encore je vais le faire évoluer. Je sais pas. Vous me donnerez vos avis sur à quoi je devrais le faire évoluer. Parce que j'en ai aucune idée. Je peux le faire évoluer en Aquali. Ça, je vous préviens tout de suite. Ok, il y a une Pokéball ici. Qu'est-ce qu'on a? Huile. D'accord. Ah, il y a un peu de lag en ce moment. Un peu dangereux. Dérangeant. Ok, c'est bon, tu peux arrêter de pédaler. J'appuie plus. Hein. Ok, il y a vraiment du lag. Bon. Alors, on va se rendre à... Où est le Renflex? Je ne sais plus où, mais on va le trouver. Donc, go, 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 t'es capable de... T'es capable. Ouais, on va aller dégager le Renflex de la route.
On va faire cet épisode-là un peu plus court. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'épisode-là. Ben, je vais finir l'épisode-là. Dans le prochain épisode, je vais... En fait, je vais entre les deux épisodes, je vais aller trouver le renflex, me mettre devant, puis partir de l'épisode. Puis, je vais finir l'épisode ici. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. C'était Tania, à la prochaine!